Ara Rouge, Ara Macao, deuxième partie. La reproduction de l'Ara Rouge. Le couple de l'Ara Rouge n'effectue qu'un cycle de reproduction par an. La femelle pond 2 ou 3 œufs dans une cavité d'arbre. Elle les couve pendant 27 jours.
La principale difficulté rencontrée pour la reproduction de l'ara, c'est la constitution d'un couple qui fonctionne dès lors qu'ils sont unis. Les aras sont des perroquets très fidèles et démonstratifs d'intérêt entre eux. Ils peuvent commencer à reproduire vers l'âge de 5 ans. Selon les couples, en captivité, ils reproduisent toute l'année. Les jeunes s'envolent à l'âge de 3 mois, mais ne deviennent indépendants qu'entre 4 et 5 mois. Les aras rouges sont des oiseaux extrêmement sociaux, qu'on ne trouve presque qu'en groupe. Souvent d'une vingtaine d'individus, les aras ne s'éloignent de leur groupe, en couple, que pendant la période de reproduction. Ils recherchent ensemble leur nourriture, puis retournent le soir dans un endroit commun pour dormir. À des moments précis en effet, les aras s'envolent ensemble pour chercher un endroit où dormir, ce deux fois par jour. Les membres d'une même famille volent très près les uns des autres et recherchent un contact corporel lorsqu'ils dorment.
Les aras les plus jeunes laissent toujours la priorité aux plus âgés lorsqu'il s'agit de se nourrir. Ce n'est que quand les plus vieux ont terminé de manger que les plus jeunes commencent. La raison de cette pratique est toutefois plus pragmatique que due à la politesse. Les oiseaux plus âgés sont en effet plus expérimentés et savent mieux que les autres où l'on trouve de la nourriture. Les oiseaux les plus jeunes apprennent en observant et en imitant les plus âgés, afin de devenir plus tard eux aussi des modèles. Les aras ne possèdent pas de territoire propre, mais parcourent régulièrement une zone étendue dont ils n'essaient pas d'interdire l'accès aux autres aras. Il arrive ainsi que plusieurs groupes d'aras se rassemblent sur un même arbre. L'abondance de nourriture rend une défense du territoire complètement inutile. Toutefois, lorsque plusieurs groupes se retrouvent sur un même arbre, ils font très attention à ne pas se mélanger. Il n'y a pas non plus de lutte pour trouver un partenaire chez les aras, comme pour la plupart des autres espèces de perroquets. Lorsqu'un couple s'est formé, ils demeurent ensemble jusqu'à la mort de l'un des deux. Les cris ont une fonction importante pour la cohésion des couples et des groupes dans ces forêts tropicales très denses. Les aras rouges étant des animaux sociaux, ils font plus que de simples cris, ils émettent des sons différenciés qui ont des significations spécifiques pour leurs congénères.
Relations avec d'autres espèces. Les plus grands prédateurs des aras sont les rapaces diurnes. Les mammifères carnivores ne sont que rarement dangereux pour les aras rouges puisqu'ils chassent au sol. Par ailleurs, les aras rouges évitent les aras hyacinthes, plus gros, qui sont de sérieux concurrents dans leur quête de nourriture. Des chercheurs ont remarqué que l'ara rouge en liberté mange également de l'argile quotidiennement et en donne aussi à leur progéniture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.